marre. Eh hey, oh, ça va pas bientôt finir, non? Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez de bonnes vacances ou que le travail se passe bien, toujours pareil. Moi je reviens de ma petite semaine de vacances. Salut Kergan, ça marche, tu nous rejoins après. Merci beaucoup Jimmy pour le sub gift offert à FDmon. Merci à ma maman, vous me gâtez d'entrée de jeu au retour des vacances. C'est cool, j'espère que vous allez bien les gens, vous m'avez manqué. Vous m'avez beaucoup beaucoup manqué. Salut Kagoghost, salut Quentin. Salut Tanguy. Allez, on enchaîne directement avec les seigneurs. Et d'ailleurs, je vous annonce que demain soir, il y aura un stream à l'arrache. On va continuer Xenonote. Demain soir, donc lundi, petit stream à l'arrache sur Xenonote. Voilà, c'est sûr et certain, c'est acté. Je vous l'annonce. Donc on se retrouvera demain. Salut Malo, comment vas-tu? Allez, c'est parti, sans transition, on enchaîne. Il est fort le salaud. Xenonote, on va mourir. Mais non, que dalle, que dalle. Alors, rappelez-vous, on avait une quête. On avait une quête actuellement, donc la quête de Magic, hein, bah, Magic pas présent. Donc je monte pas ses rangs pour la simple moindre raison, hein, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Je préfère jouer avec les gens qui sont actifs au niveau du stream plutôt qu'autre chose. Donc cette quête là, c'est pas grave, on s'assoit dessus, on verra si Magic revient. On avait ça à faire. Oh Malo, merci beaucoup pour ton resub 5e mois, tu fais avancer le train de la hype. Merci, merci. Donc on était censé faire ici 67 paires de chaussures de paysans de qualité normale ou mieux. Je sais pas si on va réussir. Parce que en termes de délai, il nous reste 19 jours. On l'avait commencé, on en avait 12. Je sais plus où est-ce que je l'ai stocké. Où est-ce que j'ai dit que je l'ai stocké? Ça me parle, on a une salle pour ça. Je les verrais bien stocker ici, mais je crois qu'on les avait stockés autre part, je sais plus où. Elles sont peut-être ici. Hein. Je crois qu'il n'y avait pas le craft. Si, Kago, c'est ce que je me suis dit tout à l'heure, mais en fait le craft se passe à la forge. Monument en or. Oui, exact, c'est au monument en or qu'on les stocke. Si, ici qu'on les stocke. D'ailleurs, ça y est, Galgarad, donc tu es le nouvel héritier de Wesna. Et pareil, The Best, tu es ton nouvel héritier. Ton nouvel héritier est donc Manolo. Donc voilà, la boucle est bouclée. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des quêtes? Alors, l'héritage, ça c'est bon. Par contre, il faut que... ne détruisez pas le monument pendant 15 jours. Il faut que le monument de Manolo et de Galgarad soit en debout pendant 15 jours. Donc on va faire en sorte de le protéger. On avait toujours Negalkos. Negalkos qui est en train de squatter chez nous. Et d'ailleurs, le mec, il aime bien bosser. Ça me fait un petit peu rire. Je pense que c'est dû au mode qui permet de faire sauter les restrictions quand on passe des rangs. Donc en fait, le mec bosse pour nous. Admettons. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc là, on a un site de chasse et la lance de domination. On n'a aucune information sur les reliques pour l'instant. C'est un petit peu dommage. Ouais, faut pas que ton monument soit cassé pendant 15 jours par contre, Galgarad. C'est qui bosse dessus normalement? C'est pas Jimmy qui est censé bosser? On a personne sur la carte, hein, sur le map monde, je crois. Hein. Maladie, ouais, on va checker ça de suite, tu as raison. Checkons les maladies. Les scarabées, c'est bon, ça retourne en ponte. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils sont dans les créatures sanglantes, ça se passe bien. Vanille est dressée, accompagnée, non. Kiton, c'est un... Si je dis pas de bêtises, c'est un paysan. Hein. Il a trois créatures liées, faut pas qu'il lui arrive quelque chose. Sinon, ça risque de partir en live, cette histoire. On en est où de nos créatures? On va en abattre quelques-unes. Peut-être chevauchées par les esclaves. Ah, c'est bien ça. Ça y était pas ça. Si? Ça y était ça? Peut-être chevauchées par les esclaves. Eh ben non. Les dragons, non. Les dragons, non. Je suis pas sûr que ça y était, ça, honnêtement. Ces petites icônes-là, ça me dit rien du tout. Je me souviens plus de la quête pour ma noblesse. Oui, c'est en cours, comme je viens de dire.
Surtout qu'on est en guerre, c'est le pic à 7 qu'on héberge. Oui, c'est le pic à 7 qu'on héberge, exactement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc les dragons, je vais les retirer. Les autres, on va dire que c'est bon. Alors, au niveau des maladies, on en est où? Au niveau des maladies, on n'a rien du tout. On n'a pas de problème de maladie, ça va bien se passer. Au niveau des prisonniers, pareil. Juste un petit souci d'alimentation pour l'over ici, mais ça devrait le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Et il dégage dans combien de temps? L'aristocrate, il dégage dans 3,8 jours. Ok, donc pas de souci au niveau de la maladie, c'est bon, c'est parti. Tchou-tchou! Merci beaucoup pour le train de life, les gens. Y a l'option pour les chevaucher, mais quand le colon essaie, ça marche pas, il me semble. Les araignées n'étaient pas en monture. Bah normalement, si, mais je sais pas si on peut. Ne peut pas dresser ou autre, je sais pas. Il faut que je lance. Il faut qu'il y en ait un qui est. Qui c'est qui a un arc de feu là? C'est Magic. Y a qui d'autre qui a un arc de feu dans le coin? Que je me rappelle. The best non. Quentin. Quentin, viens là, s'il te plaît. Pourtant, c'était cohérent dans l'icône. Ouais, c'était coché, je sais. Hein. Alors, ça, je vais autoriser. Ça aussi. Ça aussi. Ouais, il faut que je fasse le tri des patates là. C'est le cas de le dire. Pour donner à mes paysans un peu plus d'outils. Un peu plus d'outillage. Alors, j'ai rajouté aussi un petit mode, les gens. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, je vous avais dit que je cherchais un mode pour pouvoir gérer l'alimentation, le refuel par défaut. The Best m'en a proposé un. Hein. C'est pas le mode que j'attendais. Mais il est quand même utile dans le sens où, en gros, il réunit donc sous la même. Sous le même niveau, on va dire, toutes les possibilités d'alimentation du feu. Ce mode est utile à partir du moment où que vous utilisez des modes du style Expanded Biome qui donnent des bois un petit peu particuliers. Et ces bois-là, en vanilla, n'apparaissent pas comme combustible pour plein de systèmes, que ce soit les torches, que ce soit les feux, que ce soit les forges, que ce soit les générateurs électriques à bois ou autre. Bah, grâce à ce mode, en fait, il prend tout ce qui est bois, tout ce qui est combustible. Donc c'est quand même assez pratique. Par contre, je crois que l'installation de ce mode, comme je suis en train de le voir en direct avec vous, m'a fait sauter les trucs par défaut là-dessus. Donc ça va être un petit peu gênant parce qu'il va falloir que je passe là-dessus. Et en fait, ce que je cherchais, alors attends, tu me diras, je peux peut-être le faire directement. Non, dommage, je peux pas faire telle l'option torche murale, toutes les sélectionner. Il y en a 45 à faire. Je suis content, je suis ravi. Je ne sais pas quoi te dire. Mon cher The Best, je suis en train d'y penser. J'aurais peut-être dû faire ça avant, mais je m'en suis rendu compte à l'instant qu'il avait vraiment fait tout sauter. Donc voilà, c'est cool. Et moi, en fait, je cherche un mode pour pouvoir mettre un truc par défaut, parce que là, c'est pénible. C'est pénible à souhait. Si au moins on pouvait sélectionner avant la construction. Ça peut être une bonne base. Et comme on peut pas le sélectionner avant la construction, on est obligé d'attendre que la construction soit terminée pour être certain que ça fonctionne. Bien entendu, comme je suis en train de faire ça en boucle, il y a un moment donné, il y en a une que je vais oublier. Vous allez me le dire, vous allez me dire, non, non, là, là, là. Où ça, là? Voilà encore une que je veux mal régler. Ce serait trop simple, sinon ce serait trop simple. Ça va sinon les gens? Ah oui, on est aussi en train de faire notre crypte. Oh, je vais faire ça pendant qu'il se passe rien. Notre crypte des dragons, on est doucement en train de la faire aussi. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Utilise des eaux, on en amasse et il prend comme combustible. Oui et non. Oui et non, je trouve pas ça très. Pas très réaliste. Alors, on a 11 000 de bois et 16 000 de l'autre côté. Oui et non. Oui et non. Je préfère les utiliser si jamais on est dans la merde. Mais honnêtement, je préfère essayer de jouer un tout petit peu réaliste. Un tout petit peu. Parce que les os, je trouve pas ça. Je sais qu'on peut le faire. Mais j'ai pas envie de le faire. Et salut Jekyll, je crois pas t'avoir vu arriver. J'aime point la déco au nord. Ouais, donc là, c'est purement pour un souci de réalisme que je le fais pas. Après, honnêtement, on est riche. Donc, si jamais il y a des problèmes de bois, on ira en acheter. Je pense pas que ce soit le cas. Maintenant, il faut juste que j'y pense sur tout, quoi. Ah! Le jeu me dit bonsoir. Ça tombe bien. Par contre, je suis en train d'y penser. Je viens de vous dire une grosse connerie, là. Parce qu'on a dit qu'il prenait toutes sortes de carburants. C'est faux. Il ne prend plus le charbon. Ce mode a fait sauter le charbon. Pas dans le four. Ok. On a des vampires qui utilisent le sang pour s'éclairer. Oui. Ouais, je suis en train de voir à l'instant ta phrase, Canton. J'avais pas fait gaffe. Ouais. Alors, il est presque parfait ce mode. Alors, j'ai vu dans la description, je vous dis que par rapport au bois qui sortent d'Expanded Biome, c'est bien. Mais je me rends compte qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il. Ou quoi que Mira, non, ça tient pas, parce qu'il sinon il mettrait le charbon. C'est dommage. C'est dommage. Attendez, je peux pas avancer si jamais je check pas. Oh, le truc pénible. Pourquoi je peux pas en choisir 300 d'un coup là? Pourquoi je peux pas tous les sélectionner? Question, il y a la roadmap de Rimworld, un mode lycanthrope. Alors tu vas refaire une saison 2 de la guerre vampire-loup-garou? Je ne sais pas, Kago. Honnêtement, il y a tellement de choses que je veux refaire en saison 2. Genre un Rimhammer. Un Rimhammer me tenterait énormément. La dernière fois, ça s'est fini un petit peu chaudement. Donc avec tous les modes, toute la suite Rimhammer, ça me botterait bien. Après, je voudrais bien que la prochaine campagne soit technologique, histoire qu'on teste vraiment toutes les possibilités avec les jeunes, parce que c'est vraiment faramineux tout ce qu'on peut faire. Donc je sais pas. Honnêtement, je pense que quand je ferai une saison 2 de ça, oui, le mode sera largement sorti, il aura été patché et repatché. Donc voilà. J'allais relancer le jeu, mais je ne peux pas le relancer le jeu parce qu'il faut d'abord que je finisse ça. Parce que nous avons de la peste. Et forcément, s'il y a de la peste, ça va être moins drôle. J'espère que j'en oublie pas trop. Et au pire, si j'en oublie, vous me le direz. Toute confiance en vous pour vous me le dites, hein, de toute façon. Je m'attends trop à ce que vous me dites. Ah, t'en as oublié là! C'est obligé, c'est une certitude. Je pense qu'on est pas mal là. Je pense que le type là, on est pas mal. Arès, fais attention aux torches sanglantes, j'ai cru voir que tu les rechargeais avec du bois et pas du sang. Oui, mais c'est pas grave. En fait, attends, il faut du sang pour la confectionner, mais tu la recharges avec ce que tu veux. En vrai, on est riche. Il n'y a rien de vraiment précieux dans la liste, tu peux laisser tout autorisé. Ouais, oui, non. Non, parce que ça semble logique que ce soit avec du bois plutôt. On est pas mal? On peut y aller? On fera du cas par cas pour le reste?
Let's go. Alors, la cheminée dans la chambre de Westna Jimmy, effectivement, ça commence, ça commence, ça commence. Hop. Tu me fais penser cheminée. Moi, je pense cheminée. Magic, tu es relevé. Non, le repos des morts. Magic, il faut qu'il le fasse dans son lit. Porté. Alors, la peste. Personne au niveau des prisonniers. Au niveau des colons. Oh non, ce que les animaux. Large. Large. Cheminée du parasite. C'est déjà fait. Ouais. Alors, tu vas l'amener dans son lit. C'est qui est censé faire son dodo aussi? Jimmy. Ok. Je sais pas pourquoi ça les a fait sauter. Hein. Ah, Caroline qui écrit toujours son bouquin. Non, pas de dragon qui a la peste. Et même s'il l'avait, je peux te garantir que ça sauterait très vite. Ils ont une immunité de badass, quoi. Ah, ça va plaire à Westna et à plein de monde ce que tu dis, Malo. Les repos mortels, justement, il y a Jimmy Magic en train d'en faire un. Magic qui est quasiment levé. Quentin, excuse-moi, il est en train de crever la dalle. Je veux que tu mettes le feu ici. Il est où ton arc de feu? Quentin, c'est quoi ce bordel? Ah putain, il a plus son arc de feu. Mais non. Qui a piqué l'arc de feu? Oh putain. Puis en plus, il était utile celui-là. Ok, je te libère. Livraison de dépression rouge, 2250 de bois, c'est parfait. Westna, il va falloir qu'elle le fasse dans pas longtemps. The Best aussi. Quentin aussi. Quentin, où est ton lit déjà? Ton Quentin et ton lit est ici. Tu vas venir faire ton repos après. Tiken, comment ça se fait que... Attends le cavalier, d'accord. Il y a un arc de feu dans les affaires des morts juste devant les tours. Dans les affaires des morts juste devant les tours. Arc de flamme. Ah ah. Quentin. Équipé arc de flamme. Non, il y a Magic aussi, mais Magic est en train de dormir. La Magic va mieux. Magic va récupérer sa masse. Il y en a un autre juste à côté d'une hache. Oh putain, bien vu. Qui pourrait l'équiper? J'en ai marre qu'il n'y en ait qu'un seul qui l'est. Toi, t'aimes vraiment pas ça, Makina. Kago, bah Kago, tiens, tu vas venir l'équiper en arme secondaire. Je vais relaisser cette porte ouverte. C'est pas que c'est chiant à ouvrir, mais presque. Comment je suis content que ça fonctionne ce mode. Parfait. Quentin, c'est parfait.
Ok. Et maintenant, Quentin. Arc de feu. Arc de feu, Quentin. Oh, je peux pas le faire tirer où je veux, c'est quoi cette merde? Depuis quand tu peux pas tirer sur n'importe quoi? Bon, c'est pas grave. Va faire ton repos mortel. Jackie, il est parti chasser. Il est parti chasser le boomalop. Ça tombe bien. C'est la bonne saison. Non, Tanguy, à ma connaissance. Ah, on a encore des squelettes en train d'arriver. Pour qui la prochaine fourniture des squelettes là? Ah, je suis content, les pondoirs avec les œufs de scarabée, ça fonctionne. Ok, ours polaire. Où est-ce qu'on installe celle-là? On pourra la mettre dans la chambre de l'invité, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je voudrais bien qu'on joue aussi plus tard à inviter d'autres personnes. Je t'arrête pour un nouveau poste avancé. Ok. Tata Wesna, elle est pas là. Donc the best, mets-toi d'accord. Voilà, faut prendre aussi l'avis des autres. Nouvelle colonie pour avoir du stuff. Du stuff. On va voir. Ok. On en envoie combien? Parce que là, on a encore une bonne dizaine de personnes. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Oh, Wesna! Quand on parle de la louve, on envoie la queue! Comment vas-tu? Merci beaucoup pour ton resub, 21e mois. Merci de ton soutien. Alors, on peut pas les tourner, tour. Ah si, ça y est, on peut les tourner. Il me semblait qu'il y avait un bug où on pouvait pas les tourner. Ça, c'est cool. On va mettre ça. Cette magnifique peau de bête, on peut la mettre ici, tu me diras. Quoi qu'ils sont déjà bien luxueux ici. Hein. Ouais, mais quand même, ça fait classe. Ok, au petit matin, qui m'accompagne? Qui m'accompagne? Je vais en chercher 5. Je vais en livrer 5. Il y a la mode que j'ai proposée qui se nomme Piu Piu Cell qui te permet de tirer où tu veux. Ok. Faut que je regarde ça. Salut Filou. Ah, lol canton. Ça marche, Wesna. Bonne soirée avec ton chéri. Des bisous. Qu'est-ce qui nous manque ici là? Bloc de marbre et de la soie. C'est vrai que c'était Shens qui s'occupait des chaussures. Ça marche Tanguy. Lol Jodox. je vais prendre des squelettes qui ne doivent pas être armés. Équipé. Pertusuan. Un autre. Pilum. Un autre. L'épée noble. Asgrima, j'ai dit que plus tard, je te jure, je te veux vraiment. Donc viens équiper la masse. Le gourdin en argent. Non, attends. En arme secondaire pour toi. Arme secondaire, merci. Un pic d'acier. Équiper le pic en argent. On a quoi là? Le maillet de main, il offre quoi lui? Vitesse de travail, réussite de construction.
On va les faire équiper, moi je te dis. Hein. Une hache de bûcheron en or. Qui c'est qui est fort en agriculture dans nos amis? Qui est très fort en agriculture. Oh, à chaque fois que je vois Monica, j'ai la chanson de Friend dans la tête. Quoi. Monica, Monica. Notre cher ami McKinney. McKinney, McKinney, tu as déjà une forge. Toi, t'as rien, toi. Allez. Équipé. Hache de bûcheron en or. Chef-d'œuvre. Kerghan a fait une garde-robe chef-d'œuvre. Ah oui, c'est vrai qu'ici, on a des chambres. On a des chambres, on a des chambres. Ici, d'ailleurs, les lits. Ça, je le détruis, ça, je le détruis. Et lui, il faut que j'aille le ventiler, je ne sais pas où. Oui, on part à l'eau. On avait les saphirs pour le frigo des animaux. On avait les saphirs pour le frigo des animaux. Non, je crois qu'on est en train de les refaire, les saphirs. Saphir, saphir. 46 sur 50, il m'en manque encore quelques-uns. Je veux toujours du raccommodage au lieu de créer. C'est bien possible, Kago. Hop hop hop, les squelettes. Non restreint, nudiste. Le nouvel arrivage. C'est qui la relation? Alors attends, je regarde. Une merveille! Parfait. Alors, la relation. Alors, parents de Kerghan. Et ensuite, sujet, oncle sujet de Kago Ghost. Lovely. Ok. La chambre verte est la mienne. Ah oui, c'est vrai que tu l'avais demandé, Canton. Je me rappelle. Alors, canapé. Et cette chambre-là, on l'a fait pour qui? Il y a des chances. Ok, allez. On forme une caravane. Je ne sais pas ce qu'on va faire. On va peut-être aller de ce côté-là. Alors, j'y vais. Tanguy m'accompagne. Si on revient pas, j'ai bien compris que vous ne nous aimez pas. Esclaves non groupés. Encore? Ah putain, oui, il y en a encore qui viennent de sortir. Oh, c'est énorme. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Que 5? Vous voulez pas en prendre 10, sans déconner? Moi aussi, Kago, ok. Sans déconner, vous voyez l'ombre? On en prend 10, ah bah oui, non, c'est sûr, c'est certain. 3, 4, je prends pas l'alpha. Ok, 10. Alors, pack pack. Ok. La bouffe, on va laisser en automatique. De toute façon, on fait aller-retour. Allez, let's go. Venez les inviter. Je sais pas du tout. On a pas d'info. On n'a pas de consignes vis-à-vis des autres, Kago, donc on décidera. On fera des brasseries.
pour faire de la bière. Parce que nous, on aime la bière. Actuellement, on a bois, foin et or. Tout à fait, Galgarade. Comment je suis content qu'il paye les 50 boules à chaque fois. Ah là là, monnaie, 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 quoi. Ok, on a enfin nos trucs qui sont classe. On peut faire quoi comme avant-poste? Pas mal de choses. Un avant-poste de pillard pour récupérer du stuff. Non, pff, le stuff, on ira le chercher nous-mêmes. Honnêtement, le stuff, on ira le chercher nous-mêmes. Magic, est-ce que tu as des restrictions pour venir miner? Non. Alors, tu sais quoi, Magic? Je veux que tu sois en jeune seigneur. Ou peut-être crypt, pardon. Crypt, crypt, crypt. Ok. Tu es censé miner partout. Ce serait bien aussi qu'on arrive à trouver du rubis. C'est chiant, les gens. On est qu'à 84. On est bloqué, quoi. Fais gaffe que les squelettes cuisinent pas. Oui, tu as raison. Effectivement, il faut que notre cher Alpha fasse un copier-coller de tous ses attributs. Alors c'est marrant parce que des fois j'en ai en version enfin Skeleton et Undead. Je sais pas pourquoi il y a ce petit distinguo à chaque fois. Ok. Bon, en tout cas, ça finit par une bonne tempête. Et ça me fait bien plaisir parce que ça veut dire qu'en gros, c'est fini. Ça ici, l'appel en os. Vitesse agricole. Toi, S, je viens de te griller. Équiper l'appel en os. La hache ici. Rendement et vitesse agricole. Monica. Équiper la hachette. Et ça. Vitesse de travail artisanal. C'est pour Shenz, ça. Shenz, Shenz, Shenz. Équiper le maillet. Allez hop. Livraison, les gens. 2500 minerais d'or supplémentaires. Je sais pas du tout, Galgarade. Fuis le feu, Wesna. Oula, c'est pas tombé loin. Ok, la caravane est partie. On va voir ce qu'on fait ici. Ici, nous avons des raid créatures. Des loups-garous. Ah oui, d'ailleurs, la guerre est déclarée, les gens. On a déclaré la guerre à... Et d'ailleurs, on avait un truc de squelette qui était ici. Et ils se sont fait dépouiller, on est d'accord. Hein. Je suis en train de regarder. Hein. Tous les avant-postes de l'Empire sont dead. L'Empire s'est fait booter. Alors ça, c'est excellent parce que normalement, on est toujours en trade avec eux. Et les avant-postes des squelettes aussi. Je plains notre courbe de richesse. La courbe de richesse, elle vient encore de monter un petit peu. Ouais. Gaffe que les loups ne chopent pas ta caravane en passant. Ouais, ça je sais ça. Ça, laisse-moi dire que je sais. Alors, The Judge a toujours un problème de logement. Mais The Judge, tu vas venir ici. Et celui-là, pour l'instant,
Il n'est à personne. Je vais creuser ici. Magic, je veux que tu mines, bordel. Travaille dans une carrière. Alors, Magic. Magic, tu es trop bon. C'est du talent gâché, ça. Tu vas miner avant la carrière. Est-ce qu'il y a des choses à miner? Laisse-moi te dire qu'il y a des choses à miner. Où est Shenzix? Me dis pas qu'il dort. Shenzix taille des blocs de pierre. Alors, on est d'accord que le taillage du bloc de pierre pour Shenzix, c'est pas la priorité. À moins qu'il y ait un problème. Ah, je crois. Ah oui, si, on n'avait pas un problème de cuir. Rappelez-vous, les gens. Il nous fallait masse de cuir pour forger les chaussures. On avait un gros problème de cuir. Il nous fallait 30 de cuir par godasse. Ok, branle-bas de combat. Qui pour une caravane marchande là? Il va falloir qu'on aille faire le tour des alliés, le tour des copains pour aller acheter des trucs. Faut creuser ma chance, je compte apprendre à marcher sous peu. Ta chambre va être ici, Galgarad. Tu m'y fais penser. Ok, The Best. On partira au petit matin. Qui d'autre pour accompagner The Best? Regarde pour un emploi ce qui ferait la livraison de cuir. Ah, pas con, Kago. Pas con. Oula, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Groupe armé. 10 000. Oh, oh. Ok, on va faire l'avant-poste ici. Et on va se casser de suite. Alors, emplacement d'un camp temporaire de Numaniotum spécialisé dans la pêche de poissons provenant des côtes et des rivières voisines. Une fois quantité adéquate et pêchée, livraison sur les... Avant-poste agricole, artillerie, défensif, extraction de chum fuel, campement. Emplacement d'un champ temporaire géré de manière autonome qui serait le point pour les caravanes. Pendant le campement, tous les colons récupèrent de la nourriture et du repos et laissent le temps aux blessures de guérir. Ok. Avant-poste de chasse. Dans la chasse, c'est le dépeçage des animaux. Une fois les quantités adéquates, une livraison sera effectuée à la périphérie. C'est pas mal, ça. Je pense que l'avant-poste de chasse, il y a moyen de régler. Alors, est-ce que c'est que de la viande? Si c'est que de la viande, ça fait chier. Mais ça peut quand même être utile, hein, parce que la viande, elle est toujours à un moment donné en pénurie, dans le sens où je suis obligé de lancer de la chasse. On a la production aussi. Salut, Renolf. Emplacement d'un contemporain de GMA spécialisé dans la fabrication et la production de composants mécaniques ou électroniques. Une fois une quantité adéquate, livraison sera. Alors, pillage, non, je préfère le faire moi-même. Scientifique, ça aide pour la recherche. Une ville. Ville temporaire de manière autonome, conçue pour offrir l'hospitalité aux voyageurs commerçants. Si un visiteur trouve son hébergement agréable, il sera invité à rejoindre la ville en tant que résident permanent. Une ville ne peut être érigée que si trois colonies préexistantes sont situées dans un rayon de 10 cases. Et avant-poste commercial, emplacement d'un camp temporaire géré de manière autonome, spécialisé dans la vente et le troc avec les vagabonds, les caravanes et les indigènes en échange d'argent. Une fois qu'une quantité adéquate d'argent a été collectée, une livraison sera effectuée. Ouais, c'est précisé dépeçage, mais je pense que ça va être la viande. Non, on va tester. On va faire avant-poste de chasse. Hop. Alors. Yes. Cuir et viande. On va chasser quoi? Éléphant, rhinocéros, ibours. Oh, ibours, c'est pas mal ça. Ouh, non, non, il y a rhinocéros. Ouh, non, il y a éléphant. On va chasser l'éléphant, quoi. Chasser l'éléphant, quoi. 1860 de cuir. Ça suffira pas pour la commande, mais par contre, pour les prochains, on sera bien là. Ah, c'est classe ça. Retirer colon. Alors, on retire Kago, on retire Tanguy, on retire Eraskane, on retire Jodox, Glory, Leored. On fusionne tout ça. On regarde les objets qu'il y a ici. On va récupérer notre matos quand même. Hein.
La dague, le marteau, l'arc de flamme, l'arc long, le grimoire, des chaussures de paysan, bordel, la médecine, herbe, les baies, le pain. Ça, on la laisse, ça c'est un pic, ça on le prend. Ça, c'était un pic qui appartenait au squelette. Chasse alors avant-poste renommé en safari. Ouais, je peux faire ça. Prendre. Renommé. Safari. Pour ceux qui se rappellent. Voilà. T'en as déjà fait en plus. Ouais. Ok. On se casse. Vite. On arrivera avant eux, en espérant qu'ils ne nous interceptent pas sur la route, parce que sinon ça serait pas une bonne nouvelle. Et par contre, on est au repos là. Oui, on est au repos. C'est un peu con ça. On est au repos mais pas eux. Tu vois ce que je veux dire? Non, négatif. Ah, il y a du cuir de dragon, c'est 28, c'est que dalle. On va rien récupérer, Galgarad. Et ici, lingot d'acier, pemmican, un site de chasse. Il y a rien. On a deux dragons avec nous mais on fera pas le poids. Non, ça va être compliqué parce qu'ils sont puissance des combats de 10 000. Il semblerait qu'ils soient au repos aussi, se reposent. Donc ça devrait aller. On devrait les devancer. Si c'est pas le cas, ça va être chaud. On a quoi ici? Des piles de sable. Qu'est-ce qu'on en a carré du sable? On va laisser ça ici, on verra si on s'en sert plus tard. Maximiser les avant-postes à 15 squelettes. Oui, on peut. Honnêtement, on peut. On en a encore pas mal, les squelettes. Là, ici, on a combien, là? Alors, 20 pour l'or. 15 pour les foins. 10 pour le bois. Et 10 pour la chasse. Donc, il en faudrait 10 de plus. Aucun prisonnier à recruter, Stellaro. Naissance, je crois que Wesna est encore enceinte. Ah non. Attends, je regarde un petit peu. Je crois qu'on n'a pas de bébé en cours. Ferrar. Amour psychique pour Jimmy. Jimmy, lui, il en a rien à carrer. Par contre. Non, on est une bonne colonie de poivrons. Hein. Parce que ça picole. Hein. On peut me récap les différents avant-postes. Galgarad l'a fait tout à l'heure. Là, il faut juste rajouter la chasse. Ouais, c'est ça. Quentin a reçu son deuxième œil, je crois que oui. Ouais. Il a 70% en vue. C'est mieux que rien. Magic, dis-moi que tu mines comme un porcas là. Qu'est-ce que tu fais, Magic? Joue au gobelet. Fais la chambre de Galgarad, s'il te plaît. À qui appartient ces éléphants, sans déconner? Il boit du cidre. Attends. De où on a des créatures qui ont passé les remparts? C'est quoi ce bordel? Ah, mais comme c'était l'hiver, ils sont venus piocher chez nous. C'est nickel. C'est formidable. Ok.
On a qui d'autre là? Jimmy est en train de faire son repos. Wesna. Je le crois pas quoi. On en a d'autres comme ça là qui sont rentrés dans nos remparts? Qui bouffent dans nos râteliers gratuitement? C'est dingue ça. Oh putain. C'est qui là? Caroline. Eraskane Tanguy. Oh putain, Caroline. Pêche dans la zone. Non, Caroline, tu viens prendre les commandes. Ouais, on tape. On est en âge, là. On chasse du dragon, donc laisse-moi dire que c'est pas les éléphants corps à corps qui vont faire peur. Ok. Alors. Coaguler. Je me demande si je vais pas doubler doubler les postes quand même. Hein. Asgrima, je vais te mettre aussi au service. Asgrima, tu es bon en social. Ouais. Bah normal quoi. Asgrima. Asgrima, tu es geôlier et tu vas être serveur aussi. Notre fille Asgrima fait des basses besognes. Bon, ouais, c'est pas une basse besogne. Bon, tout à fait. Alors, la viande, on en a au taquet. Moi, je vous le dis, on en a au taquet. Ok, la caravane est arrivée. L'attaque ne devrait pas tarder à arriver, par contre. Je veux qu'il y en ait plus là. Ils sont les dragons? Ouf, j'ai eu peur. Watcha. Des lumes d'urbe des forêts viennent d'arriver. On va passer en mode raid. Je vais zigouiller quelques araignées encore. J'attends encore un petit peu pour les humains.
Ouais, mais alors pour dresser ça, surtout qu'on a les inspirations. Ah putain, si The Best, il a une inspiration pour le dressage. Eh ouais, mais le problème c'est que c'est 8 ou 9 ça. 10. 10 en inspiration pour le dressage. C'est con parce que The Best et Kago, tu vois, ils ont l'inspiration, mais ils sont à 7. 7 et demi. Ça, c'est ballot, hein. Ah, l'autre, il a une inspiration, mais tu vois, il est qu'à 5. Salut, Makina. Ça va être compliqué, Kago. Ah merde, le marécage ça marchera pas. Parce qu'il n'y a pas de case d'eau. Si, c'est des marécages ça. Normalement, ça devrait marcher. Ça va communiquer ici, ça va remplir tout ça. On va peut-être que je fasse sauter une case pour remplir tout après. En tout cas, vitesse de déplacement, on passe à 81%. Donc, effectivement, on les ralentit. On n'avait pas parlé de faire une porte au sud pour éviter de contourner les montagnes à chaque fois. Il n'y a qu'une ruine pour démarrer le chantier. Oui, on avait commencé effectivement. On peut faire un petit pont de pierre sur notre voie royale en pavement. On va regarder après, Canton. On va continuer à améliorer la beauté de la chose. Tu te réveilles dans 21h, je pense que ça sera après l'attaque, Jimmy. Le taureau, il donne de l'acier. On n'a pas besoin de l'acier. C'est déjà suffisamment une véritable nursery à la maison, là, pour enjamber le marécage. Oui, on va pouvoir faire ça. Ouais. Je veux juste tester. Dis-moi si ça se remplit. J'espère que oui, ça serait cool. Et la réponse est un non, ça se remplit pas. Ah putain, la loose! Ça ne fonctionnera pas, les gens. Ça ne fonctionnera pas. Les marées sont là. Ça, c'est de la terre marécageuse. Et ici, j'essaye de faire des marées, mais il n'y a pas de truc. Il faudrait que je creuse de la flotte pour que ça arrive de là. Alors, tu sais quoi? Ok, je vais essayer un truc pour que ça ait un petit peu plus de gueule. On va aller faire les ponts. Intervention divine. Non, 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 Tanguy, on va creuser. On va creuser entre ici. On va creuser un grand truc ici pour alimenter les trucs. Ok, on passe en raid. Ça va prendre un peu de temps, mais on va essayer de faire des extérieurs un peu jolis. Pour vraiment, vraiment faire douve. C'est quoi? C'est un... Non, ils attaquent immédiatement.
Alors, ils sont pas nombreux. Ce qui sous-entend qu'ils sont vraiment loups-garous au possible. Tu m'as dit que tu t'attendais toujours pour une licence. Hein. T'avais deux licences. The best. Je sais pas si tu voulais ce que tu voulais attendre. Ça ici c'est des prérequis. Hein. Si tu voulais apprendre l'union des travailleurs, c'est forcément un prérequis. Exactement the best. Il y a suffisamment de squelettes. Dis-moi si tu vois des choses intéressantes. Tu attends toujours. Ok, ça marche. Quentin est en train de prendre son repos des morts. Kago, ton bouquin, toi, c'est il faut que tu tapes. Il faut que tu tapes ici. Ouais, Snap, faut que je lui trouve une. Faut que je lui trouve une un arc qui déchire là. Dimidor, Asgrima. Kergan. Frénésie de mêlée pour Polika. C'est pas le moment Polika. Caroline. Tanguy. Jekyll. Je pense que ça devrait aller pour les contenir. File-lui le grand que j'ai. C'est un arc de feu que... Attends, Kago. C'est un arc de feu que tu as. Et l'autre, c'est un arc long classique. Il n'y a rien de spécial. Qu'est-ce que tu fais? Transporte. T'es pas censé sortir, Tiken. Je comprends pas, là. Bah alors là, je les attends, les mecs. Jodox. Qu'est-ce qu'ils me font, là? Keaton. Mais ils se foutent de ma gueule, là. Il va se passer des bricoles. Let's go. Alors vous noterez qu'on a des gros loups là. Ici, là il y a du gros loup là. Je sais pas si au niveau des gènes ils sont plus badass, mais assermentés. Et en juré serment de sang à son clan en foi. Ouais. Ils sont venus avec des loups, effectivement. Allez hop, ça dégage. Salut Miss. Je trouve badass le bouclier de magie que tu utilises, Kago. Attends.
ou on s'est pété nous-mêmes une tour, ou ils nous ont pété une tour quand même. Il tape pas aussi fort d'habitude. Vous êtes d'accord avec moi, il tape pas aussi fort d'habitude. Elle était endommagée, on les a pas réparées? C'est bizarre ça. On s'est pété la tour. Ouais, avec la puissance de Kago. Ouais. Château Fieux, ya, ya, ya. Le général aussi joue bien, ya. Oh, je l'avais pas vu celui-là. On s'évade. J'ai vu qu'il y avait de l'acier sur pattes, tranquillement. Je le laisse pour l'instant, c'est pas une priorité. On est plutôt bien, donc ça va aller quoi. Caravane marchande, tu m'as dit The Best, qui est avec toi? J'ai vu des traits enflammés exploser sur la tour. Ouais, c'est probablement nos flèches à nous. Hein. Ta Manolo, je te jure, dès que t'arrives, je sais pas si tu es là Manolo, mais je te mets à la taverne à 200%, quoi. Tu vas coller tes fesses, c'est le cas de le dire, sur le comptoir. Alors, je vais devoir faire mon repos, je pense, donc s'il y a des volontaires. Effectivement, The Best, oui, tu vas devoir faire ton repos. Ainsi que Wesna. Donc, qui pour la caravane? Tanguy, qui veut y aller? Tu nais à la taverne, tu mourras à la taverne. La joie de vivre et le jambon. Mais moi j'ai toujours les... Ah, les voyageurs, les têtes sont pas très contents. Ça s'est pas super bien passé. Tu m'étonnes, ils ont été nombreux et il y a personne pour prendre les commandes. C'est chiant là. Caroline qui pêche, c'est bien, mais ça prend pas les commandes quoi. Ça marche, Jimmy. Bonne soirée, ciao. Alors, on a où de cette crypte? Ça n'a pas avancé. La chambre de Galgarad, elle n'a pas avancé. Mais Magic, qu'est-ce que tu fais? Apprécier la performance musicale. Bah viens apprécier tes coups de pioche aussi. Oh! Mais c'est ça, oui. Non? Non, mais où? Alors, Jekyll, Quentin, Tanguy, Jimmy, s'il est réveillé. Jimmy se réveille dans 3 heures. Il y a aussi du minage au niveau des pressoirs. Ouais, tout à fait.
Elle va aller vite, la chambre. Tactique de recrutement. Qui c'est qui est en train de construire comme un port là? J'entends des tac 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 dans tous les sens, mais je sais pas d'où ça vient. Oh putain, on a eu assez de rubis. Oh putain, 14 000 de boulot. 14 000 de boulot pour faire le lit à baldaquin royal. Alors là, c'est la classe. Non, pas en bois, qu'est-ce que je fais là? Pas en bois. Galgarad, des envies particulières pour le sol. Dépêche-toi parce qu'après, une fois que ça sera posé, ce sera plus chiant. T'es sûr de laisser The Best à construire? Alors, si je dis pas de bêtises, c'est la dernière personne qui met le dernier tic qui fait en sorte de générer la qualité. C'est un petit peu le fonctionnement de Rimworld, il fonctionne comme ça. Roy Kerrigan. Je sais pas trop ce qu'on a à dispo. Ce que tu veux, Galgarad. Honnêtement, ce que tu veux. On a du marbre, on a du granit et on a du tissu. Donc après, ce que tu veux, quoi. Alors c'est sûr que si tu veux un sol en or ou autre, ça va être plus compliqué. Mais là, on peut commencer à personnaliser là. Hey, bonsoir Axo. Kerrigan, tu vas pouvoir te faire plaisir avec le lit à baldaquin. Là, pour l'instant, je vais te faire faire le futur fauteuil de Manolo. Ah, il nous manque 110 de soie. Bon, ok. Allez. On va voir si ça va plus vite. Donc on attend Jimmy. Jimmy vient de se réveiller. Ça y est. Je remonte. Alors, caravane marchande. Former une caravane en direction. On va aller vers nos amis. Hein. On va faire 1, 2, 3. Et on va remonter comme ça. On va partir sur celui-là en priorité. Tu m'as dit, Jimmy, d'ailleurs, Quentin, faut que je le rajoute dans les seigneurs là-haut. Non, Quentin, il dort, lui. Quentin, il est en train de dormir. Donc, Quentin, il ne pourra pas y aller. Tanguy. Alors, il est où, Jekyll? Jekyll. Donc pour l'instant, ça fait une caravane à 3. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est ça. Alors. Tac. Alors, Jimmy, Tanguy, Jekyll. On prend les éléphants qui sont pas en gestation. Des bisons. 3400, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Allez, un jeune éléphant, 300 kg de plus. Au niveau des articles, de la thune. ...10 000 de thune. On n'y va pas pour vendre. Honnêtement, on n'y va pas pour vendre. Là, on passe le cap. On va gagner du temps là-dessus. Médecine, vous en prenez 16. Vous en prenez 25. 3 à partir. La bière vanilla, j'aimerais bien m'en débarrasser. Prends des araignées et vois si tu peux les vendre plutôt que de les abattre. Je peux faire ça. Araignée géante, on en prend 4. Mettre Jekyll sur le dragon, politique que Tanguy peut pas s'approcher des dragons.
Ok. Vendu. C'est vrai, je m'en rappelais plus. Avec un peu de chance, ça va le faire, on va pouvoir vendre tout ça. 10 000 de thunes. Et on y va. On a taqué de viande. On leur offrir des cadeaux. Oui, ça on peut par contre. Ça, Galgaras, c'est une bonne idée. On va prendre des bijoux. Bouclier, bijoux, tout ça là. Ça, j'aime bien le principe, effectivement. Allez hop, voilà. C'est comme ça. C'est pour faire un petit peu d'aléatoire. Surtout rester à l'affût des livres pour la recherche. Mais c'est clair. C'est clair. Galgara, tu m'as toujours pas dit ce que tu voulais pour les trucs. Prends pas de chaussures de paysan, fais gaffe. Oui, j'ai fait gaffe. Normalement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui ont été pris. Canapé, malade. Pourtant, il n'y a personne cuistot. C'est qui les cuisiniers de la colonie là? Ouais. On demande. Cool. Alors, celle-là, on la met où? Celle-là, nous allons la mettre du côté de Jimmy. Ah non, il peut pas. Il a déjà le tapis. On va la mettre pour l'invité pour l'instant. Carrelage de pierre le même que le mur. Et une dalle morbide au lieu. Ok, on va te mettre du marbre donc. Carrelage en marbre. Et une dalle morbide. En marbre aussi. On a le Kargan. Alors ça avance méga vite. Kargan, t'es un nerveux, mais alors grave. Est-ce que je peux encore plus te booster? Commandement. Non. Encouragement de travail, oui. Oh, Wesna qui mange à sa petite table. Sanglier s'est laissé apprivoiser. Ajouter à la caravane. On le vendra au pire. Un petit discours de chef, ouais, mais j'attends que la caravane parte.
Les zones, normalement, c'est bon, on est en fin de siège. Ah non, t'as raison, on est en raid. Auto, animaux, auto. Bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Bon, je peux pas penser à tout, là. Oui, le lit merveilleux. The Judge, il doit y avoir un souci avec ta zone là, parce que tu reviens à chaque fois ici. Et moi-même, je suis là. Attends, Erasken, je suis censé être avec. Tanguy m'a pris ma place. Oh, putain, d'ailleurs, le lit est médiocre. Tanguy, tu dors à ma place, t'as pas honte. Non, mais Tanguy, tu viens de là. Mais c'est Magic qui dort avec moi. Non, retire, affecté. Tanguy, tu es où toi? Où est ta chambre, Tanguy? T'es ici, je crois. Hein Tanguy. Tanguy, non restreint. Encore un lit double à refaire. Mais The Judge est censé être ici. The Judge a un problème de zone, je pense. Pour pouvoir pas respecter. Ah oui. Cuisine, on autorise ce couloir. The Judge. Hop. Ok, Galgarat, ta chambre est prête. Alors, une vérif des zones. Cryptominage, je veux que ce soit ceux qui restent à l'intérieur. Donc, Kago, toi, je te fais rester dedans spécialement. Astriel et The Judge, donc, à la cuisine. Champ cryptage, jeune seigneur. Non, elle a pas trop de restrictions sur les zones. Est-il possible d'avoir un lit baldaquin pour moi? Ça coûte la peau des rouleaux, un lit baldaquin. Comme tu peux voir, c'est un peu compliqué. Ça dépend en quoi tu le veux. Ok. En quoi tu le veux, The Best? Jekyll. Ouais, il faut 200 de soie. Tu devrais laisser au moins les squelettes, lisser les murs. Ça prend trop de temps, car il y en a beaucoup à faire. Mais c'est déjà le cas. Hein. Là, c'est juste parce que j'ai chopé Rhin qui est passé devant moi, mais... Ok, The Best. Eh ben écoute, ça tombe bien. On va faire le jeu des lits musicaux. Mettez-vous d'accord, The Best et Jekyll. Alors. Je vais attendre que Kargan soit reposé. Pour reprendre la construction. Ah, les zones englobent la colonie. Alors, champ cryptage, champ d'ailleurs, je peux autoriser ça. Hein. Ah oui, mais c'est vrai que j'avais aussi la... Oh putain, faut que je m'y penche à ça. On avait aussi les champs aussi à faire. Ensuite, jeune seigneur. Donc, pour c'est pour les enfants. Ok. Les araignées extérieures peuvent aller dans la chambre de Tanguy, ici et à l'extérieur, bien entendu. Dragons, ils font leur vie. Dragon intérieur, je vais leur retirer le champ.
Ensuite, les créatures diverses, donc ce sont les herbivores, c'est ici. Les araignées, par rapport au transport, je les ai mis comme ça. La cuisine, c'est ça. Alors, la cuisine, je vais intégrer aussi là. Cuisine paysan, on s'en sert plus. Les jeunes seigneurs, c'est bon, on a dit. Alors, que ce soit acté en stream, déjà qu'elle m'a déshérité. De quoi ? Il y en a déjà un fait de tu le veux pas, c'est le lit de ma mère, je voudrais pas qu'elle dise que je l'ai volé. La parole des engins comme vous, ça va être fourni avec une notice. Hein. Ok, ça marche. On va faire le jeu des chaises musicales, Jekyll. Dès que tu récupères le lit baldaquin, moi je vais récupérer ton lit parce que Magic et moi, on est dans un lit médiocre. Et ici, il nous manque de blocs de marbre. Vengeance, oula. Là par contre. Oh! Qui c'est qui a attaqué ça? Le Gorgon s'est fait attaquer par l'Endurm. Ok, on va récupérer ça. Et là, Léored, tu t'attaques au Lindurm des forêts. Champ crypte minage, faut en ajouter les enclos au sud. Alors, oui et non. Justement. Je veux pas intégrer justement les champs parce que le but du jeu c'est tu vois, limite tu vois je vais retirer parce que champ. Ah tu me diras si j'avais mis champ cryptage. Ah oui d'accord. Ok d'accord si je l'autorise. J'ai rien dit. Ok. Salut Polika. Allez Léo Red. C'est un plaisir. Oh, il avait 200 d'or sur lui, le Skull. Énorme. Ah, d'ailleurs, on a un nouveau squelette qui vient d'arriver. Putain, le squelette se trimballait avec 200 lingots d'or sur lui, quoi. Travail forcé, ça passe. C'est les dents ou il piquait dans la caisse? J'en sais rien, mais. Costaud quand même, le Widerm. Il a moins de points de vie quand même. Je laisse le combat pour voir un petit peu ce que ça fait. Hein. Mais c'est quand même costaud à Louis Dorme. Ce qui t'en fait des blessures quand même. Hein. Bon, la différence près, c'est que lui, il a pas un système comme toi où est-ce qu'il va pouvoir se soigner. Hein.
Toi, ça va se refermer. N'empêche, putain, il te met cher, quoi. Le combat des titans, quoi. Eh, hey, il te fait saigner. Hein. Tu sais qu'il y a une possibilité que tu passes le raid. On plaisante. Que tes plaies ne se referment uniquement que quand le combat est terminé. Attends. Il s'est soigné une plaie là? Je veux bien un peu d'aide. Alors oui, tu peux. Quentin est en train de dormir. Le plus proche. Eh non, les araignées, ça se mobilise pas comme ça. Gigi va venir te sauver. Je peux pas. Ok, Gigi ne veut pas venir te sauver. Et bonsoir, Drago Fury. Sois le ou la bienvenue. Sauvé par Monica. La flèche de Monica a abîmé le bras gauche, on sait pas trop où, hein, de la lune verne des forêts. Pac, mort. Ça va et toi? Et bien entendu, maintenant, un bon repas sur le Louis-Derm. Et comme je disais, voilà, ta régénération passive et en plus après tu le ramènes à la bouffe, c'est pas mignon ça. Ta régénération passive en gros va faire en sorte que tu vas tout te soigner quoi. C'est clair, Kago. Ça va bien, Drago Fury. Passé une petite semaine de vacances, donc c'était cool. Bah écoutez les gens, on va s'arrêter là pour la première partie de cet épisode. Donc comme d'habitude, hein, ceux qui sont en direct, on se retrouve dans quelques minutes. Pour ceux qui sont en différé, bah écoutez, ça sera au prochain épisode. Allez, bye bye les gens, et à de suite pour les autres.